Comme il le fait souvent, là, se blottit en vlimeux le long du but. Boivin, un tir passe. Et le but! Ça a dévié sur le patin de Nicolas Ouellet. Ouellet ne l'a jamais vu. Il y a un peu de chance. Mais... Il y a Kabutuka qui la lui retourne, mais c'est un revirement. Attention à Paris. De l'autre côté, le but! Quelle erreur défensive. Et Zavgorodny marre les jambes. Il faudra faire attention, il n'y a plus de défenseurs. Lafrenière et Huntington, deux contre un devant Tessier. Lafrenière, une fête et le but! Huntington qui marque. Et les Foreurs. Et ça a été coupé. Les Foreurs s'amènent à deux contre un. Ouellet, bonne passe pour Couture. Alexandre Couture s'échappe, il est seul. Couture et le but! Alexandre Couture, c'est 2 à 2. Mouski qui est en premier, mais c'est Valdor qui contrôle. Ouais, la passe qui avance les patins de Dion. Devant le filet. Et le but! Zavgorodny. Là, le passe s'amène pour Lafrenière. Autre 2 contre 1. Huntington à Lafrenière. Et quel arrêt de Mathieu! Bonsoir. Salut les gens du bas du fleuve. Je ne sais pas si je vous en reparlerai. À l'autre côté, Lafrenière complètement seul. Et le but! Huntington qui, alors que les Foreurs cherchaient... Rubé en deuxième. Zavgorodny accueille du patin. Ça va glisser jusqu'à Garneau. Garneau, il est seul. Un tir, le but! Les Foreurs l'ont laissé patiner à sa guise. Pour lui jusqu'à maintenant. Les Foreurs doivent pas abandonner, là. Ah, quel arrêt de Marquis! Hein? Cherche à qui passer. Point d'appui à Lepau. Il y a de la place. Lepau a complètement raté son tir. Le but! Marshall Lessard sur un jeu brisé. Ramène les Foreurs dans le match. C'est 5 à 3. De Rimouski va rester sur la glace. Huntington s'amène. Une fin. Reprend. Il est seul. Huntington a tiré le but. Jimmy Huntington complète son tour du chapeau après avoir servi des feintes. Il la lui retourne. Puis à Tessier. Vers Noël. Il y a de la place. Noël. Un tir le but. David Noël. Partie supérieure. C'est 6 à 4. Un tir. La maison, mais il faut aussi comprendre la réalité. Alors, Noël. Passez. C'était vers Dion, ça ne s'est pas rendu. Je rappelle que plus de gardien devant la cage des Foreurs et Noël est allé gelé. Le joueur adverse, mais ça n'empêche pas Joly de marquer dans un but ouvert alors qu'il ne restait plus de gardien.